Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro du JT Montagne. Cette semaine, on va profiter de l'accalmie météo pour faire chauffer un peu les doigts. On va parler de montagne tout en faisant de l'escalade. Et pour une bonne reprise, quoi de mieux qu'un des rochers les plus célèbres du bassin annécien? Beaucoup d'entre vous l'auront reconnu, il s'agit là bien sûr des rochers de la Grande Jeanne. Mais pour commencer, c'est l'heure de la news. Après le GR10 des Pyrénées, le GR20 de Corse ou le Tour du Mont Blanc de Chamonix, ça y est, c'est aujourd'hui au parc du Mercantour de posséder son itinéraire de grande randonnée itinérante. La grande traversée du Mercantour, c'est son nom, a en effet été inaugurée ce 17 juin dernier et propose désormais un périple de 212 km fractionné en 16 étapes. C'est dans le petit village d'Estanques, perché à 1800 mètres d'altitude, que l'aventure commence pour se terminer sur les plages de Menton, au bord de la Méditerranée. Comptez de 500 à 1100 mètres de dénivelé pour les étapes, dont 10 se situent au cœur même du parc national du Mercantour. Déjà connu de nombreux randonneurs via les 6500 km de sentiers balisés, le Mercantour se dote donc d'un nouvel outil de choix qui a pour ambition de donner une impulsion économique au pays, notamment via le système d'émergement dans les refuges franco-italiens. Le parcours pourra quant à lui être scindé en plusieurs morceaux au niveau des communes d'Isola, de Saint-Étienne de Tiné ou de Boréon, lieu accessible au transport en commun. Que ça fait du bien de retrouver le contact du caillou chauffé par le soleil. En attendant, on va se rafraîchir un petit peu. On part direction le Grand Bornand pour un dossier qui, cette semaine, sera consacré à la prochaine manche de Coupe du Monde de biathlon. Tout de suite, c'est un reportage fait par Sébastien Germain. Un stade de biathlon niché en plein cœur du village. Voilà pour les organisateurs le principal atout de l'étape de Coupe du Monde de biathlon Annecy-le-Grand Bornand, qui devrait accueillir les meilleurs biathlètes du monde du 11 au 17 décembre 2017. C'est vrai qu'on a une vraie, un vrai succès auprès des athlètes, de pouvoir se déplacer depuis leur hôtel jusqu'au stade à pied. On a cette ambiance aussi qui inonde à la fois le stade et le village le soir après les compétitions. En attendant l'officialisation de la nouvelle homologation du stade, deux membres de l'IBU, la Fédération Internationale de Biathlon, ont procédé à une visite des installations et des équipements déjà présents. C'est une inspection pour une prolongation de licence, donc on ne part pas de zéro. Comme je le disais, il n'y a pas eu de changement majeur de règlement et ce qu'on fournit reste à l'identique. Moi, comme eux, quand je regarde le site aujourd'hui avec le gazon, je le vois enneigé, je vois les barrières, je vois l'aire de départ, d'arrivée. C'est une question d'habitude, d'expérience et donc ça ne pose aucun problème. Ce sera donc une deuxième édition pour le site Bornandin. En 2013, l'étape aux Savoyardes avait été un succès populaire et sportif. Et comme le hasard fait décidément bien les choses, en décembre 2017, le plateau devrait à nouveau être bien relevé. Ça va être une très belle édition puisqu'on va être quelques mois avant les JO. Donc on aura vraiment un plateau d'athlètes. Personne ne fera la passe, donc on aura vraiment toutes les équipes qui seront là, toutes les stars du biathlon. Et on aura 6 compétitions pendant 4 jours. Donc on aura vraiment un très bel aperçu de ce que va être le biathlon sur le début de saison. On devrait avoir donc des épreuves sprint, poursuite et mass start. Voilà pour l'instant ce qui se dessine. Mais encore une fois, ça peut encore changer. Environ 1200 personnes au total seront réquisitionnées pour le bon fonctionnement de la compétition, qui a une autre spécificité notable. La différence avec un site traditionnel, c'est que le site de Grand Bornand est un site en grande partie temporaire. Donc il faut une grande expérience pour imaginer les choses mises en place par rapport à un site qui est 4 saisons où en 24 heures et 365 jours par an, on peut poser un événement sur ce site. Et pour ne pas revivre la mésaventure de 2011 qui avait vu l'annulation de l'épreuve à cause du manque de neige, des mesures ont été prises pour parer à toute éventualité.
La journée se poursuit sur la paroi. Nous, on va rester du côté du Grand Bornand car cette semaine, c'était les 10 ans de Savoie Mont-Blanc Tourisme. Sébastien Germain y était. Il nous fait le résumé de cette journée. 10 ans de savoir-faire pour Savoie Mont-Blanc. 10 ans de réussite et de succès à développer la marque touristique locale. Lancée en 2006, l'association missionnée à l'époque par l'Assemblée des Pays de Savoie joue aujourd'hui parfaitement son rôle d'ambassadeur. L'ensemble des acteurs économiques et touristiques des deux départements ont adopté cette marque et commencent à l'adopter de manière beaucoup plus significative. On sent une appartenance à la marque Savoie-Mont-Blanc. On sait aujourd'hui que c'est un attrait touristique indéniable qui focalise la destination de nos deux départements. Durant cette décennie, l'image des Pays de Savoie a évolué. La destination touristique Savoie-Mont-Blanc est désormais leader mondial en ce qui concerne les stations de sport d'hiver et reste plus que compétitif en été. Aujourd'hui dans le tourisme, il faut être capable de proposer une large palette d'activités dans une seule et même destination. Je crois que Savoie-Mont-Blanc est complémentaire à ce niveau-là. Elle est capable d'offrir pour des enfants jusqu'aux personnes les plus expérimentées un choix de destination touristique, sportive, contemplative, autour de la culture, du tourisme, de l'agriculture. Cet anniversaire est donc un cap important, mais nullement une fin en soi. Et Savoie-Mont-Blanc s'est fixé comme objectif de rester tout en haut. Nous allons créer un label Savoie-Mont-Blanc Excellence, qui sera le résultat de la fusion de la marque Savoie, qui travaille surtout sur les produits agricoles et alimentaires, vers Savoie-Mont-Blanc Excellence. Et puis c'est aussi, pour ce faire, la création d'ambassadeurs Savoie-Mont-Blanc, qui seront chargés de promouvoir cette marque sur le territoire local et aussi à l'extérieur, bien évidemment. Savoie-Mont-Blanc, ce sont chaque année 900 millions d'euros générés grâce au tourisme et plus de 50 000 emplois. C'est vrai qu'en escalade, si l'échauffement est important, le repos l'est tout autant. D'ailleurs, nous au JT Montagne, on est des pros là-dessus. On vous en parle dans la Minute Matos. La saison de la randonnée, c'est maintenant. Alors la Minute Matos vous présente le Thermarest Neo Air SK, un matelas qui contient la dernière déclinaison de leur système breveté SpeedValve. Pour commencer, il n'y a pas besoin de gonfleur. Vu comme ça, ça a l'air peu efficace et pourtant, en remplissant le matelas avec cette sorte de bouche d'aération inversée, on se retrouve trois fois plus vite avec un matelas bien gonflé qui fait ses 7 cm d'épaisseur. Quand on sait qu'à l'intérieur se trouve un système de matrice isotherme qui renvoie la chaleur du corps et isole très bien l'utilisateur et le sol, on finit rapidement par faire son petit calcul. Prix d'achat du matelas, auquel je retranche la valeur de la séance d'ostéopathe qui m'attendait après avoir mal dormi pendant le week-end, je me retrouve avec un coût pratiquement divisé par deux. Pour nous, c'est tout fait, c'est un achat indispensable. Voilà, nous arrivons au terme de ce JT Montagne. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se quitte, comme chaque semaine, avec les plus belles images du web. Et nous, on se retrouve très bientôt sur TV8. À bientôt. Le Rock des Alpes, c'était le week-end dernier et ce fut une édition très très humide. C'est le moins que l'on puisse dire. Voici une petite vidéo embarquée faite par l'un des concurrents. Technique, isn't it? L'Alaska n'a jamais autant mérité son surnom de dernière frontière. Melissa Armotte, Adam Russell et John Mancuso pensaient se ressourcer dans le Elias National Park. Leur petite escapade en autonomie complète s'est transformée en aventure terrible avec traversée de crevasses, prise de risques qu'on peut dire vitaux, et en apothéose, pris au piège d'une tempête, ils sont tombés en panne de nourriture. Le meilleur dans tout ça, c'est que leur vidéo superbe donne envie de les rejoindre. Allez comprendre. Plus que quelques numéros du JT Montagne pour la saison et Manu a encore réussi à passer entre les gouttes en évitant tous les sujets d'eau vive. Pour vous consoler, voici des images de canyoning qui datent de ce week-end. Chez On a cliqué pour vous, on ne lâche rien et on garde espoir pour vous montrer votre journaliste préféré enfiler une combinaison néoprène avant de se jeter à l'eau. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine et prudence en montagne.